C'est un outil, la dialectique. Et l'outil, il ne peut pas donner le résultat du travail qu'on fait avec l'outil. Oui ou non? Bon. Donc on ne peut pas mélanger le résultat d'une réponse avec la manière dont on l'amène. La dialectique, c'est ce qui sert le mieux le logos. Et si on veut avoir des réponses intelligentes, on est obligé d'étendre son vocabulaire en termes de précision et de quantité. On donne à Damien, de manière totalement inattendue, mais quand je l'ai vu venir, je savais qu'il allait dire quelque chose de fondamental. Je l'ai vu passer derrière, tranquille, il était concentré sur son truc, il l'a dit dans le moins de mots de tous les exposés. Et ça, c'est la force maximale. C'est pour ça que je lui dis après, n'en rajoute pas. C'est comme quelqu'un qui patauge en rajouter. T'es dans un marais après. Il ne faut pas en rajouter. La concision et la précision, ce sont les deux éléments les plus forts avec le rire. Vous notez ça. Précision, concision. Dans tout exposé que vous aurez à faire, par exemple, vous faites des études. Vous répondez très rapidement avec totalité, précision, il n'y a rien à rajouter. Ce que tu notes, c'est que je donne trois étapes. Nous sommes d'accord. Oui. Mais si je ne mets pas l'orientation, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, explique-moi. Il n'y a pas de force, parce que la force, c'est orientée. Alors, ça veut dire que la volonté sans direction, c'est quoi? C'est pas la volonté, c'est la force. Ça s'appelle un vouloir. Et la quand on fera l'étude de ce qu'est la volonté comme outil de l'être, là, on va s'amuser, là, parce que vous patinez sévère. Hein. Dans le cours, tu disais que le vouloir, c'était la volonté et le désir. Oui, et on n'a pas travaillé sur le désir, donc tu vas patiner un bon moment. C'est pas volonté plus désir, d'accord. Je croyais que justement le vouloir, c'était la manifestation de l'ensemble. Ne t'inquiète pas, ça sera pour la rentrée et vous allez souffrir encore. Parce que là, on sera dans la relation entre intelligible, qui n'est pas intelligible, et sensible, qui n'est pas sensible. Bah oui. Là, ça va être un peu plus dur, c'est la classe au-dessus. Hein. Retenez bien parce que vous allez souffrir. Je rappelle que dans ces leçons, l'intelligence ne sert à rien, la culture ne sert à rien, l'expérience ne sert à rien, il ne reste que l'intuition. C'est la chose la plus importante qui vous fait défaut. Le combattant qui n'a pas d'intuition, il est mort par avance. Terminé. Prenez une poubelle, un sac poubelle, vous le mettez dedans, dehors. Il en va de même pour la science, il en va de même pour les arts, il en va de même pour tout.